Salut, salut, c'est Camini, me voici en compagnie de l'équipe formidable du film Bienvenue à Marly-Gaumont. Julien Rambaldi, le réalisateur, monsieur Marc Zinga, dans le rôle de mon papa, madame Aïssa Maïga, dans le rôle de ma maman. Voilà, on est tous là pour vous parler un peu du projet et du film. On s'est empressé d'accepter, d'adhérer au projet parce qu'on est tombé sur un scénario qui était super bien écrit, avec une histoire très émouvante, très drôle à la fois, et en plus l'occasion pour moi de rencontrer une super partenaire qui m'a tiré vers le haut dans ce film. Non, mais c'est Non, vrai, mais tu me flattes. Alors nous, on t'a découvert, Camini, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, c'est un truc de ouf, avec le clip Marly-Gaumont. À l'époque, le mec était déjà hirsute. Hein, voilà. Ouais, j'étais beau gosse aussi, c'était Oui, beau gosse hirsute. Merci, merci. Faut préciser ça, par contre. Et il était donc seul, noir, au milieu des vaches, dans la campagne française, dans un village dont maintenant tout le monde se souvient le nom, qui est Marly-Gaumont. Ce qui est vachement émouvant, c'est qu'on a découvert ce qu'il y avait derrière ce rap parodique. C'est l'histoire d'une famille qui décide de quitter le Congo et de s'installer dans ce village où on ne les attend pas. D'ailleurs, on n'a vu aucun noir avant eux. C'est vrai. Vrai, ça? Alors ça, c'est vrai. On est vraiment les premiers... Les pionniers, quoi. Pionniers, voilà. On est les colons, du coup. Là. C'est nous qui... C'est ça. Donc, quoi qu'il en soit, rendez-vous en salle. On vous attend et on espère que ça vous plaira.